私がまあこうなった経緯をまあ簡単に話しますと、当時あの爆発してもうみんな町の人が避難したの中で、私の母の意見で、母が私は体が悪い病弱だ、もう避難するんだったらここで死んだ方がいいっていうことになって、じゃあ家族みんなで残ろうかっていうのが最初の始まりでした。Je vous explique pourquoi j'habite seule à Tomioka. Premièrement, juste après l'explosion, on a quand même envisagé de partir. Mais c'est à ce moment-là, ma mère, qui était un peu malade, qui nous a dit qu'elle préférait mourir à Tomioka au lieu de partir. C'est comme ça qu'on s'est décidé de rester à Tomioka.当時爆音は聞いたんですけど、まあ、一番気になったのは風でした。風は南から北へ、東から西へという風でした。À ce moment-là, le vent soufflait du sud au nord et de l'est à l'ouest. Donc, les hotspots, les taches radioactives très contaminées actuelles, c'est justement la direction de vent de des jours juste après l'explosion qui ont fait ces hotspots. On nous a dit quelques milliers de becquerels, quelques chiffres, mais c'était tellement quelque chose que je ne connaissais pas. Simplement, ce que j'ai senti, j'avais peur. Donc on s'est décidé de rester à Tomioka et on était enfermés les premiers 2 ou 3 jours. それから徐々に家から離れて周りの状態を確かめたんですけど、その時に悲惨な思いをしてきたのが、もう置いてきぼりになった家畜、ペットでした。Et au bout de 2 ou 3 jours après l'explosion, je suis sorti et j'ai trouvé des animaux qui avaient été abandonnés par les habitants qui sont partis.Tous les animaux ont été abandonnés. Il y avait milliers de vaches, milliers de chats et de chiens que moi seul je ne pourrais pas m'occuper. J'avais beau essayer de les sauver, tous les animaux, mais la plupart des animaux sont morts de faim. Donc, je continue à vivre seul à Tomioka avec mes animaux, et à un moment donné, c'est le hasard qui m'a fait rencontrer avec un journaliste étranger et qui m'a mené jusque-là devant vous en France. Et petit à petit, tout en m'occupant des animaux, je me suis dit, il faut lutter contre le nucléaire, il faut que je transmette un message contre le nucléaire dans le monde entier. それでも日本の政府はもう
原子力発電所をやめようとはしません。Malgré l'accident, la catastrophe de Fukushima, le gouvernement japonais continue la position pro-nucléaire. Je suis sûr qu'ils vont créer un autre mythe qui dit que la centrale nucléaire est sûre.まあ、近い将来原発が少し稼働が始まるんじゃないかと思っています。Je crains このロデマグマ bientôt certaines centrales nucléaires au Japon。 まあ、日本の場合は地震が多いので今半分要は東北だけの、まあ、東日本だけのプレートが多いだけなので西日本のプレートが半分まだ残っているので、それが動いたときにはまた原発と同じような状態になるんじゃないかと心配しています。 Comme vous le savez, le Japon est un pays sismique. Le tremblement de terre du 11 mars 2011, c'était le glissement de plaques à l'ouest, à l'est du Japon. Mais il y a d'autres plaques qui pourraient glisser à l'ouest du Japon, et c'est à ce moment-là qu'on aurait.Peut-être un autre accident nucléaire au Japon. Si, 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 si,Mais il faut qu'on évite ce genre de catastrophe. C'est la raison pour laquelle je suis là devant vous, et je suis prête à témoigner dans le monde entier. Parce que je suis sûr que tout le monde est presque est convaincu que, qu'il y aurait un accident nucléaire, quel que soit le pays. Si le nucléaire est là, il faut que le nucléaire soit là. Si le nucléaire est là, il faut que le nucléaire soit là. Si le nucléaire est là, il faut que le nucléaire soit là. Parce que nous vivons sur la planète.La Terre. Et nous avons la même mer, le même océan, le ciel est le seul, la mer est la seule. Donc, ce n'est pas un accident d'un certain pays, c'est un accident du monde entier. Surtout vous vivez sur le continent Europe. Donc s'il y a un accident en France, bien ailleurs, au niveau des indemnisations, vous aurez des problèmes vraiment sérieux. Bref, l'énergie nucléaire.Ça possède beaucoup de risques à tout le monde. Parce que ça fait 3 ans, le jour pour le jour, l'accident nucléaire à Fukushima, mais rien n'a été réglé. Rien n'a été maîtrisé jusqu'à présent.私も分かりました。今の科学と技術では原子力発電所の事故は止められないということも。Je suis tout à fait convaincu que la technique actuelle moderne ne maîtrise rien du tout。鉄鋼は最初の説明会では30年から40年で全て終わって言ってましたけど、まあ 100% 無理でしょう。鉄鋼 nous a dit qu'il faut 30 ou 40 ans.Pour gérer l'accident de Fukushima. Mais je suis convaincu que ce n'est pas du tout possible. Mais
今から例えば5年10年といくとみんな被爆してあの中で働く人がいなくなった時に誰があの最終的な始末を、まあ、収束に向けての作業を誰がするのでしょう。Effectivement, les travailleurs de Sebo, les travailleurs qui travaillent actuellement dans le central d'Haïti, ils travaillent bien. C'est-à-dire qu'ils font des efforts, ils font le maximum. Mais ils seront contaminés, irradiés au bout de quelques mois. Et à ce moment-là, ils ne peuvent plus travailler dans le central. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'aura plus de main-d'œuvre travailleurs suffisant et compétent, et par conséquent, il n'y aura plus personne qui puisse travailler à la centrale de Fukushima. Vous savez, le Japon est un pays très très beau, entouré de la mer. Il y a des montagnes, il y a des plages, il y a beaucoup de nature. Donc je me demande pourquoi on n'utilise pas de cette nature, nos ressources naturelles, et pour créer, pour utiliser des énergies renouvelables. Je suis sûre que c'est l'argent. C'est l'argent qui le fait. Mais je voudrais finir sur cette petite phrase que vous m'avez dite
continuera de raisonner et vous avez raison. La justice gagne toujours à la fin. Votre combat est juste et ce combat nous le partageons.